matin. Bon matin tout le monde. Comment ça va? Joyeuse Pâques! Vous savez, Pâques, c'est pas juste une fête religieuse. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre prédication est vide. Mais je suis convaincu que Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia! Et au-delà de la conviction personnelle, vous savez, il y a des théories, puis je le rappelle à chaque part, qui sont souvent avancées pour dire que, en fait, le christianisme ne tient pas. Si on peut prouver que Jésus n'est pas ressuscité, on ferme l'Église. Tout s'écroule. Les pasteurs, on va faire autre chose. Le dimanche, tu vas faire autre chose. Tu vas aller au marché aux puces, au Costco, je ne sais pas. Mais quels sont ceux qui croient que c'est tellement mieux d'être à l'Église? Souvent, il y a toutes sortes de théories. On va dire, par exemple, que les disciples ont volé le corps. Jésus, pour ressusciter, les disciples auraient volé le corps. Je vous rappelle qu'il y avait des soldats qui étaient là. Les disciples, l'Évangile nous dit qu'ils avaient peur. C'était des hommes très moraux en même temps. Ils sont tous morts martyrs. Vous savez, c'est quelque chose de vivre pour un mensonge, mais de mourir pour quelque chose que tu sais que c'est faux. Donc, ça ne tient pas la route. Certains vont dire que Jésus s'est simplement évanoui. Donc, je vous rappelle qu'on l'a flagellé, qu'on l'a crucifié, qu'on l'a percé avec une lance, on l'a mis dans le tombeau. Et là, on nous dit que Jésus s'est relevé, a poussé une pierre de 2 tonnes, a déjoué comme un ninja tous les soldats et s'est montré aux disciples en disant « Je suis le Seigneur de la vie. Donnez-moi un instant que je reprenne mon souffle. » Non, ça ne tient pas la route. Certains vont dire que les femmes se sont trompées de tombeau. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Certains vont dire que les autorités ont pris le corps, mais encore une fois, on voit que les autorités avaient pris le corps. De présenter le corps aurait été la meilleure manière de tuer le christianisme. Et non, il est ressuscité parce que Jésus a dit qu'il était pour ressusciter. Donc, et j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui, il y a 4 récits de la résurrection dans les évangiles, et j'aimerais qu'on regarde à celui qui est pour moi le plus inspirant, en même temps le plus confondant, dans Jean 20. Donc, Jean 20, le verset 1. Le récit de la résurrection, où vraiment c'est très inspirant, mais vous allez voir, il y a des questions. Et quand on regarde dans les commentateurs, il y a plusieurs trucs là-dedans, on se dit, mais pourquoi Jean a mis ça? Pourquoi Jean a rapporté ces détails? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si vous avez votre Bible et que vous êtes déjà dans Jean 1, dites « Amen ». Si vous êtes en train de chercher, dites « Attends-moi ». Si vous n'avez pas de Bible, dites « Tant pis ». Vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, Jean 1, verset 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean 1 est très bon aussi, mais Jean 20. Donc, Jean 20. John 20. Ça va pour tout le monde? OK, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Et là, on prend une petite pause, elle va aller aviser les disciples, Pierre et Jean, mais je vais attirer votre attention vraiment sur Marie, Marie-Madeleine, ce qui s'est passé. Donc, faisons un bond au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dire, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni. » C'est-à-dire, « Maître, mon maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen, amen et amen. Il y a plusieurs questions là-dedans, et si vous prenez des commentaires bibliques, vous allez vous rendre compte qu'on sait que pourquoi Jean nous dit que les 2 anges étaient assis, un à la tête, un au pied où était Jésus. Pourquoi cette question des anges et de Jésus, que cherches-tu? Pourquoi lorsque Jésus dit Marie, il y a un déclic qui se passe dans son cœur?
Pourquoi Jésus dit « ne me touche pas » et surtout, pourquoi est-ce qu'elle le prend pour le jardinier? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque? Et vous savez, souvent, on se dit, bien, Marie-Madeleine faisait noir, elle a vu Jésus, puis elle a dit, c'est le jardinier, puis souvent, on pense qu'elle s'est trompée. Hein, c'est comme un moment donné, je suis dans un restaurant avec ma femme, puis elle me dit, il y a du vin qui me coule dessus. Là, je la regarde, est-ce que tu vas bien? Elle dit, ouais, elle dit, il y a des gouttes de vin qui me tombent dessus. Je dis, ça se peut pas. On est dans un, tu peux pas avoir du vin qui tombe du ciel. Là, on continue de manger, puis elle dit, ça sent le vin, il y a du vin qui me coule dessus. Là, je commence à être nerveux, là. Je commence vraiment à être nerveux. Et mon premier réflexe, c'est de me dire, ben, elle n'a pas compris, elle se trompe, elle est fatiguée, ou je ne sais pas. Puis à un moment donné, je vois clac, clac, et on se rend compte qu'il y a comme un tuyau qui sert à amener le vin sur une pompe, et vraiment, il y a du vin qui lui tombe dessus. Elle avait raison. Comme toujours, les femmes ont raison. Donc, ce matin, au portail, il y a deux réactions très, très fortes quand on dit « Jésus est ressuscité » et quand les femmes ont raison. Alléluia! Ça, c'est mon pasteur. Prêche l'Évangile. Et en fait, je pense que dans Jean, Jean nous donne des indices que souvent, parfois, on manque. Je l'ai déjà dit, hein, c'est comme si j'écris, j'étais un fan de hockey, j'écris sur Facebook, le Canadien a massacré les pingouins et un frère en Afrique voit ça, il comprendra pas. Ah, il va se dire... Mais que les gens du Canada, c'est des barbares de tuer les pauvres petits pingouins, il ne comprend pas qu'il y a un deuxième sens, qu'on parle de hockey. Et il y a des jeux là-dedans, il y a un jeu de mots, il y a des choses qui prennent place, qui nous échappent. Et vous savez, il ne faut jamais oublier que ce qui prend place dans l'Évangile, c'est la saison 2. La saison 1, c'est l'Ancien Testament. Vous savez, tu peux écouter une série saison 2, tu vas catcher des affaires, mais pour comprendre tous les liens, tu dois regarder la saison 1. Maintenant, pour comprendre le Nouveau Testament, tu dois comprendre l'Ancien Testament. Et ce qui prend place ici, le jardinier, ce n'est pas anodin. Parce que ce que la parole veut nous communiquer, c'est que Jésus est vraiment le jardinier ressuscité. Et là, c'est normal que tu ne dises pas « Amen » parce que tu ne comprends pas. Tu ne fais pas de lien avec la saison 1. Premier point, l'histoire du salut commence dans un jardin et se termine dans un jardin. Elle ne dit pas « Amen », elle fait « La Bible commence avec un jardin et se termine avec un jardin. Maintenant, jardin, nous, au Québec, on pense à potager. Tu penses à un petit carré où tu fais pousser des tomates. Un jardin, l'autre définition, c'est quoi? Il faut que tu penses à un parc. Il faut que tu penses à un grand parc, un aire de promenade, où c'est la quiétude, la paisibilité. Tu dois penser, par exemple, centre de la nature. Un jardin, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et la Bible nous dit, Genèse 2,15, saison 1, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Le premier Dieu a créé l'humanité pour être un jardinier, pour s'occuper de la création. C'est toujours là, dis « Amen ». C'est pourquoi est-ce que des gens t'ont déjà été au jardin de Versailles? OK, il y a du monde qui a de l'argent ici. Jardin de Versailles, j'ai été parce que j'étais invité à prêcher puis j'ai dit hey, on va aller au château de Versailles. Quand tu arrives au château de Versailles, tu as un jardin, le jardin de Versailles, Louis XIV. On a une image ici. Pourquoi est-ce que c'est si somptueux? Ça, c'est un jardin. Parce que dans l'histoire, les rois avaient des jardins. Le jardin, c'est quoi? C'est le reflet du roi qui est capable de régner sur la nature. Si tu es capable d'avoir un beau et un grand jardin, de bien t'en occuper, c'est le reflet de ton trône et de ton règne. Le jardinier représente le roi. Adam, le jardinier, représente le Créateur qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes représentants de Dieu sur la terre. Est-ce que je m'entends? Amen. Et ça, c'est que ça commence comme ça. Le problème, c'est que ça a mal viré dans le jardin. Hein, je disais, quand on pense à un jardin, pense pas à un petit potager, pense peut-être le centre de la nature. Hein? C'est beau le centre de la nature? Tu te promènes, les petites chutes, les arbres, c'est tranquille. Cette année, on célèbre le 10e anniversaire de la catastrophe du cocoton de Laval. Le cocoton de Laval, est-ce que tu sais c'est quoi? OK, ça fait le tour du monde. Il y a 10 ans, au centre de la nature, Laval a fait un événement où on s'est dit, on va cacher des cocos de Pâques,
Puis là, on va inviter les familles, puis on vendait des billets, je pense que c'était 3 $ puis on s'est dit, il va y avoir 1000 personnes qui vont venir. Et dans le centre de la nature, on a caché plein. Je pense qu'il y avait 10 000 cocos de Pâques de cachés pour les enfants. Le jour de l'événement, il y a 10 ans aujourd'hui, il y a 4 000 personnes qui se présentent. Maintenant, il n'y a pas de sécurité, c'est des étudiants qui font ça, il y a plein de parents qui arrivent avec les familles. Puis là, on dit, à telle heure ça commence. Et là, ça commence à s'impatienter. Les parents commencent à se battre. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, « Vas-y, vas-y, vas-y. » Puis là, ça commence à partir. Puis là, quand tu vois l'enfant de l'autre, tu dis, « Toi aussi, vas-y. » Les enfants, ça part à courir. Les parents, ça se pousse, des coups de poussette. Oh, et là, il y a des enfants de 3 ans qui se promènent avec des cocos. Puis là, il y a des parents qui arrivent, qui arrachent les cocos. Le jardin a mal viré. Ça, c'est une belle image du jardin d'Éden. Mon ami, ça a mal viré. Par le péché d'Adam, par le péché de l'humanité, ça a mal viré. Est-ce que tu as revu un cocoton depuis 10 ans? C'est fini. De la même manière, le péché fait en sorte que le jardin d'Éden nous a été fermé. Je vais y revenir. Maintenant, tu regardes dans la Bible que l'histoire, c'est intéressant parce que la Bible se termine dans un jardin. Jésus va dire... Qu'est-ce qu'il va dire? Puis je l'ai prêché vendredi. Il va dire au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le... Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire paradis? Ça veut dire jardin. Paradis, dans mon grec, veut dire jardin. Littéralement, Jésus dit au brigand, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le jardin. Ça sonne pas pareil, hein? Mais c'est exactement ça. Et dans Apocalypse, ça dit que Dieu, au vainqueur, je le mettrai dans le jardin. Et ça se termine à la toute fin, lorsque le ciel et la terre, la nouvelle création, en plein milieu, tu as un jardin. Donc, le jardin, c'est important. Pourquoi? Parce que le jardin, c'est l'endroit de la pureté. C'est l'endroit de la paix. C'est l'endroit de la communion. Et c'est ce que Jésus est venu rétablir dans nos vies. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Donc, c'est pour ça. Avez-vous remarqué quand on est dans la nature? Ah, l'air pur. Pourquoi il y a des gens souvent en camping? Non, c'est pas le fun, le camping. T'as pas de confort, il faut que tu fasses ta nourriture, c'est compliqué. Mais pourquoi les gens aiment le camping? Hein, ça pique partout, c'est sale, c'est pas... Le grand air, c'est que tu déconnectes, t'oublies tes problèmes. Le jardin, c'est le lieu d'harmonie où on est en paix, les gens avec les autres, avec nous-mêmes, avec Dieu, où il n'y a pas de problème. Adam a gâché ça, Jésus vient le rétablir. Ce que Jésus nous promet, c'est ce nouveau jardin, cet environnement, c'est ça le paradis. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il y a plein de gens qui sont ici. Tu vends ta maison pour aller où? Pour aller dans le nord. Hein? Pour avoir de l'espace, l'air pur. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'être humain, nous avons perdu ce jardin et nous soupirons après quelque chose de plus grand. Et ça, c'est seulement Jésus qui peut nous le donner. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Donc, la Bible nous dit que Jésus est un meilleur jardinier qu'Adam. Ça veut dire quoi? Adam a perdu l'accès au jardin. Regarde ce que dit Genèse 3, 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. OK. Par le péché d'Adam, ça a amené une rupture avec Dieu et ça a amené une rupture avec ce jardin que Dieu avait pour nous. On soupire après ce jardin, après ce paradis dans notre cœur. Il y a une aspiration et à cause du péché d'Adam et par nos péchés, on n'a pas accès. Est-ce que des gens, tu t'es déjà embarré à l'extérieur de ta voiture? Lève la main qu'on te voit, là. Beaucoup, hein? Beaucoup de gens. On n'apprend pas. Hein, c'est comme, t'arrives, tu as ta voiture, puis ah non, les clés sont en dedans, les portes sont barrées, toi t'es dehors. Ça, c'est Adam. Adam nous a barré l'accès au jardin d'Éden. Par le péché, la conséquence du péché, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. Et tu fais quoi quand t'es, comme on dit en hébreu, quand t'es pogné à l'extérieur de ton char, puis les clés sont à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? CA ou un serrurier. Maintenant, Jésus est le serrurier qui revient nous redonner accès au paradis, au jardin d'Éden. Ça, c'est la bonne... Et Pâques, c'est la preuve qu'il est vraiment ce deuxième Adam qu'il fait. Vraiment, vraiment, vraiment ce deuxième Adam. La Bible dit que Jésus a la clé de la mort. Jésus nous donne à nouveau accès à Dieu. Il nous donne à nouveau accès à cette félicité éternelle. Et regarde, comment Jésus est un meilleur Adam?
Jésus renverse la malédiction du Jardin d'Éden. Et c'est pourquoi tout ce qui prend place, elle le voit comme un jardinier, mais il y a quelque chose de plus profond. Jésus défait ou refait ce qu'Adam a mal fait. Jésus fait comme il faut ce que toi et moi, on ne fait pas. Est-ce que je peux entendre « Amen » Est-ce qu'il y a des femmes ici? Des fois, ton mari fait le ménage, mais il faut que tu repasses derrière lui. Hein, est-ce que ça arrive, ça, des fois? Ah, il fait quelque chose, mais il faut que tu repasses, il faut que tu refasses. Jésus repasse derrière Adam. Et c'est pourquoi la passion de Jésus commence dans un jardin également. Regarde bien. Immédiatement, après l'instigation de la Sainte-Seine, la Bible dit « Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin, le jardin de Gethsémané, dans lequel il entra, lui et ses disciples. » Pourquoi la passion de Jésus, l'œuvre de la croix, commence dans un jardin? Parce qu'il renverse la défaite du jardin par Adam. Jésus vient rétablir la victoire. Et ça se passe dans un jardin. As-tu déjà entendu parler de « rumble in the jungle » C'est de l'anglais en passant. « Rumble in the jungle ». C'était simple, oui. En 1974, combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman. Le combat a lieu au Congo, en ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre. Pourquoi? C'est une époque très, très chargée aux États-Unis. OK? En passant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats de boxe qui ont lieu en Afrique. Je sais qu'on a des frères, des sœurs ici qui viennent du Congo. Avec respect, là, c'est pas la plaque tournante de la boxe mondiale. Là. Pourquoi le combat a eu lieu là? Parce que c'est une époque où ça brasse beaucoup aux États-Unis, les droits civiques, il y a beaucoup de choses qui prennent place. Et si tu as deux Afro-Américains, où ils se disent « on va faire un combat, on va faire un événement à l'endroit en Afrique où tout a commencé. » Hein, un rappel, l'esclavage, tout. Donc, le combat est symbolique. Le territoire, l'endroit où tu te bats est symbolique. Tu veux aller là où tout a commencé. Jésus va dans un jardin parce que c'est là que tout a commencé. Alors qu'Adam nous amène dans la défaite, Jésus nous amène dans la victoire. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Et regarde, quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qu'on met sur sa tête? Une couronne de quoi? D'épines. OK. OK, dis à quelqu'un à côté de toi, c'est pas parce que c'est Pâques qu'on peut pas réfléchir. La parole est tellement riche. OK. Couronne d'épines. Lorsque Adam a péché dans le jardin, la sanction, la malédiction, c'est quoi? La terre va porter quoi? Des épines. Jésus est couronné d'épines pour renverser la malédiction d'Adam. Jésus règne sur tout ce qui te fait mal, sur tout ce qui te fait souffrir. Jésus est le roi des rois sur ton épreuve. Il a porté cette couronne d'épines. Il règne à jamais. Ça, c'est notre Jésus. Et la Bible nous dit que dans le jardin, reste avec moi, c'est fort. Qu'est-ce qu'il y avait dans le milieu du jardin d'Éden? Un arbre de quoi? Un sapin? L'arbre de vie. OK, Jean nous dit que Jésus est crucifié au centre, au milieu. Pourquoi? Pour nous dire que Jésus est cet arbre de vie. OK, quand Jésus, on lui rentre une... OK, je sais, il y a du monde, tu as besoin d'un peu de culture biblique. Quand on lui rentre la lance sur le côté, qu'est-ce qui sort? Du sang et de l'eau. Qu'est-ce qui sort du Jardin d'Éden? Fleuve d'eau vive. Jésus est celui qui donne la vie à ce qui est mort. Alors que tu es là, peut-être ici pour la première fois, par nature, notre vie est un désert. Notre vie est sec. Notre vie est morte. Mais en Jésus se trouvent les sources de vie. Il est la vie. Et Jésus rétablit les bénédictions du Jardin d'Éden par sa résurrection. Donc, la résurrection de Jésus aussi s'accomplit dans un jardin. Dis à quelqu'un à côté de toi, tout est dans tout. Regarde, Jean 19, 41. Or, il y avait un jardin en l'endroit où il avait été crucifié. Et dans le jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été déposé. Est-ce que tu comprends comment Jésus rétablit toutes choses? Puis en passant, là, juste qu'on comprenne quelque chose,
Hier, c'était le samedi saint. Et souvent, les chrétiens se posent la question, mais il s'est passé quoi? Parce qu'on imagine la résurrection de Jésus un peu comme Jésus est mort, puis il revient à la vie, puis c'est beaucoup plus riche que ça. Okay? Jésus est Dieu, il est homme. Lorsqu'il était dans le tombeau, Jésus n'a pas cessé d'exister. Est-ce que je peux entendre « Amen »? OK, c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Maintenant, alors que son corps repose dans le tombeau, l'âme de Jésus était auprès du Père. Jésus continue d'exister. Comme quand tu meurs avant, ton âme va avec le Seigneur. Mais sa nature divine, alors qu'il est dans le tombeau, il continue de régner sur l'univers. La mort n'a pas d'emprise sur son âme ni sur sa nature divine. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Donc, Jésus est tellement plus glorieux que tout ce qu'on peut penser, imaginer. Et qu'est-ce qui prend place? Quand Marie-Madeleine arrive, on est le premier jour de la semaine, il fait noir. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? On revient, Genèse 1, au début, c'est des ténèbres. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Jésus est la lumière. Qu'est-ce qui prend place? La résurrection de Jésus recrée toute chose nouvelle. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, littéralement création. Est-ce que déjà ici, tu as été créé, recréé par Jésus, une nouvelle créature? Ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous savez, merci pour les trois personnes qui sont... Merci pour la récréation. Pour les autres, restez avec moi. Vous savez, tu peux prendre une semence morte, et tu peux la mettre dans le meilleur des jardins. Il n'y a rien qui va pousser. Notre problème, c'est pas le jardin. Le problème, c'est que nous sommes morts. Quand tu viens à Jésus, il crée quelque chose de nouveau. La Bible dit qu'il nous régénère d'une semence incorruptible. Et cette semence-là que tu as reçue dans ton cœur, elle va porter du fruit jusqu'au paradis, jusqu'au jardin, jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi Paul va dire, que lorsqu'on meurt, on met notre corps en terre. C'est un peu comme une semence. Mais quand tu mets une semence, il y a une récolte de gloire. Jésus nous donne l'espérance que nos sept semences à l'intérieur de nous, alors que si le Seigneur ne revient pas bientôt, on va tous mourir, on va nous mettre en terre, mais nous avons l'assurance que nous allons ressusciter. Il y a quelque chose, une récolte de gloire qui nous attend. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et Jésus nous donne accès à la présence. Jésus restaure notre identité, puis il y a tellement de liens. Mais c'est intéressant parce que Jésus va dire à Marie-Madeleine, comment est-ce qu'il l'appelle? Femme. Et précédemment, Pilate, en voyant Jésus, va dire, voici l'homme. As-tu remarqué, t'as encore un homme puis une femme dans le jardin. T'as encore un homme et une femme dans le jardin. Jésus fait correctement ce qu'Adam et Ève n'ont pas été capables de faire. Je l'ai déjà fait, là. Est-ce que des gens ici, est-ce que quelqu'un t'a encore de l'argent avec toi? C'est pas le temps de l'offrande en passant, là. Est-ce que quelqu'un, vous avez un 50$, un 20$, un 100$, un 1000$ à me prêter? Quelqu'un rapidement, si on peut m'amener un billet qui a de la valeur. OK, j'en ai un. Bon, OK, c'est une illustration de pauvre, seulement un 20$. Certains d'entre vous, tu l'as déjà vu, hein? Jésus restaure l'identité. La Bible dit que en tant qu'être humain, on était créé à l'image de Dieu, comme représentant de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que le péché n'a pas effacé ça. C'est juste que le péché l'a brouillé. Souvent, on ne réalise pas notre valeur. Tu es type la première fois, tu peux avoir toutes sortes d'opinions sur toi-même. Tu as de la valeur, tu as été créé à l'image de Dieu. Hein? Puis l'exemple, vous l'avez souvent vu. Hein? C'est à toi le 20$? C'est à toi. OK, bon, je vais faire attention. Ça, c'est ton 20$. Merci beaucoup. Non. Si je le froisse comme ça, est-ce que tu le veux encore? Parce que quelqu'un d'autre le va le vouloir. Est-ce que tu le veux encore? T'es sûr? Est-ce que tu le veux encore? Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu fais, le 20$ ne perd pas sa valeur. Peu importe ce que la vie t'a fait, ce que les autres t'ont fait, tu ne perds pas ta valeur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Merci. Merci. Et pourquoi, c'est intéressant, comment Marie reconnaît que c'est Jésus? J'ai le temps. Comment Marie reconnaît que c'est Jésus? Ah, il va dire, Marie, Marie. Pourquoi qu'il y a un déclic? Encore une fois, c'est tellement riche, OK, c'est tellement riche.
Dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui a nommé Ève. Adam avait la responsabilité de donner des noms à la création. Lorsque Jésus la nomme, elle réalise, c'est vraiment le nouvel Adam, c'est vraiment l'homme parfait, c'est vraiment le jardinier, c'est vraiment le sauveur. Il me connaît par mon nom. Tu n'es pas un numéro pour Jésus. Marie, elle se retourne et elle dit « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». Elle reconnaît. Et Jésus va lui dire « ne me touche pas ». Et là, quand je regardais dans les commentaires bibliques, il y a à peu près une douzaine d'interprétations. Pourquoi? Ne me touche pas. Puis ils sont tous bonnes, hein? C'est pas. Mais quand tu regardes, encore une fois, dans Genèse 3, parce que Jean ici veut vraiment dire, voyez-vous, c'est la saison 2 du Jardin d'Éden. La saison 2 est meilleure que la première. Parce que la première, elle se finit mal. La deuxième, elle se finit bien. Parce que des gens, je sais pas pour vous, mais moi, ma femme, lorsqu'on écoute un film, il faut que ça se termine bien. Sinon, elle n'est pas de bonne humeur. Parce que des gens comme ça, si elle sait qu'un film se termine mal, elle ne veut pas l'écouter. Elle veut que ça se termine bien. En tant qu'être humain, on veut que notre histoire se termine bien. Il y a des gens ici, jusqu'à maintenant, ton histoire ne s'est pas bien terminée. En Jésus, ton histoire peut bien se terminer. Saison 2, elle va être meilleure, plus glorieuse, plus miraculeuse que la saison 1. Ça, c'est clair. Et pourquoi? C'est intéressant parce que quand le serpent va dire à Ève, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Elle dit, le fruit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Le jour où vous allez le faire, vous allez mourir. Et Jésus, alors que Jésus veut défaire la chute, veut défaire la défaite, fait les choses correctement. C'est pourquoi il dit, ne me touche pas. Il y a vraiment un lien à Genèse 3 en disant, voici moi le jardin, je vais vous le donner. Alors que par vous-même, vous l'avez perdu, maintenant la réconciliation avec Dieu, je vais vous la donner. Le pardon, je vais vous le donner. Donc, on va faire les choses comme il faut. Mais ce qui prend place également, c'est que Jésus, pour nous donner un salut complet, il doit retourner vers le Père. Pourquoi? C'est pas tout la résurrection. L'ascension est quelque chose de fondamental. Parce que quand Jésus remonte vers le Père, il met fin à ses limitations terrestres humaines. Ce qui fait qu'il peut maintenant dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Parce que Jésus ne reste pas, Jésus est monté vers le Père. Il a maintenant le nom au-dessus de tout nom. Alors qu'il monte au ciel, il fait entrer notre humanité au ciel. Hey, c'est génial. Jusqu'à Jésus, là, au ciel, là, c'était juste des anges, puis c'est Dieu, puis c'est de la gloire. Maintenant, quand Jésus arrive, il fait rentrer, il est un précurseur pour notre humanité. C'est pourquoi nous avons l'assurance. Parce que Jésus passe avant nous, puis il va nous faire du pushing. Donc, c'est important. C'est pourquoi il dit, non, attends. Genève, alors qu'il peut monter, ça permet son intercession. Et ça permet d'envoyer le Saint-Esprit dans nos vies. Hey, on devrait dire gloire à Jésus. C'est tellement glorieux. Et je termine. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, Jésus est vraiment le jardinier ressuscité. Est vraiment celui qui nous donne accès au paradis. Et ce paradis, cette vie de communion avec Dieu, cette deuxième chance, cette vie où tout prend son sens, elle commence maintenant. Moi, je suis vraiment reconnaissant pour la vie éternelle, je l'ai souvent dit. On a des bien-aimés qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Hein, c'est John Wesley qui disait, les chrétiens meurent bien, parce qu'on a une espérance. Mais j'aime Jésus, c'est pas juste du pelletage par en avant. On pourrait dire comme, OK, on va... J'ai un plan pour voir votre nom. Jésus a un plan maintenant. Il y a un jardinier qui s'occupait du jardin du roi. Puis à tous les jours, il prenait un bâton, il y avait deux récipients d'eau, il allait à la rivière, remplissait les récipients et retournait. Et arrosait les jardins du roi. Et on se moquait de lui à chaque fois parce que il y avait un des récipients qui était troué. On disait, non, mais tu travailles pour rien. T'arrives, le temps que tu te rentres, tu as perdu la moitié de ton eau. Donc, tu as un récipient qui, lui, est tout correct, ça va, mais tu arrives comme tu perds la moitié de ton eau, donc tu devrais le changer. Puis on se moquait de lui, puis le jardinier continuait à faire son travail, puis jour après jour après jour après jour. Puis à un moment donné, on lui a dit, écoute, ça ne fonctionne pas, là, tu travailles pour rien. Et là, à un moment donné, il a dit, OK, là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Il dit, je ne veux pas remplacer cet arrosoir-là. Il dit, mais pourquoi tu travailles pour... Il dit, je ne travaille pas pour rien.
Et avez-vous remarqué que de ce côté-là, jusqu'au jardin du roi, il y a plein de belles fleurs? Pourquoi? Je ne travaille pas pour rien. J'utilise les failles de ce récipient pour semer quelque chose de beau et de glorieux. Alors qu'on se confie en Jésus, qu'il marche avec nous, alors qu'on se dirige vers le paradis, vers le jardin du roi. Mon ami, sur la route, Jésus va se servir de tes failles, de tes faiblesses, de tes péchés, de ton passé, pour faire pousser, germer quelque chose de beau, quelque chose de glorieux. On n'est pas encore rendu au jardin, mais sur ta route, Jésus va faire pousser des fleurs, Jésus va faire pousser des choses, Jésus va se servir de ce qui te semble handicapant, puis il va le transformer pour quelque chose de glorieux. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous. Alors qu'on pense la tête. Mon ami, à toi qui es ici, qui... tu entends la bonne nouvelle de Jésus. Et tu ne peux pas dire qu'il y a un moment où tu t'es confié en lui de manière intentionnelle. Et je veux donner l'opportunité ce matin, en ce jour de Pâques, de recevoir Jésus, de recevoir l'œuvre de Jésus. De recevoir le pardon de tes péchés, de recevoir la vie nouvelle, de recevoir ce jardin, ce paradis, un jour et sur ta route, de savoir que Dieu marche avec toi. Il peut faire toutes choses nouvelles. Jésus peut recréer, créer des choses dans ta vie, là où il n'y a rien, là où il y a la mort, il peut amener la vie. En ce jour de Pâques, alors que Jésus est encore vivant, alors que Jésus, la vie de Jésus a encore son effet, je veux simplement te défier, là où tu es maintenant, te confier en Jésus. La Bible dit à te repentir, à reconnaître que sans lui, tu n'arrives pas à reconnaître que sans lui, tu es dans la mort spirituelle, à reconnaître que nous sommes tous pécheurs, que notre vie, selon le standard de Dieu, est un échec. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Je demande simplement de te confier en lui. Donc, ma prière pour toi en ce jour de Pâques, ce jour de Pâques 2024, c'est que tu puisses recevoir Jésus ressuscité. Seigneur, je te remercie. Quelle grâce de pouvoir te célébrer. Merci pour chacun d'entre nous qui avons reçu cette semence incorruptible. Merci pour l'assurance du paradis. Merci qui est sur la route. Tu agis, tu fais une œuvre. Merci d'utiliser nos péchés, nos failles, nos blessures, nos manquements, nos offenses pour en faire quelque chose à ta gloire. Donc, alors que nous allons dans la louange, dans l'adoration, je te prie qu'en ce jour de Pâques, que chacun d'entre nous réalise la grandeur de Jésus ressuscité et que chacun reçoive la vie nouvelle que tu donnes, toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Et te donnons la gloire parce que oui, vraiment, tu es ressuscité. Et ceux dont c'est la prière disent un grand. Amen, amen.